Vlogos. Vlogos parce que... Parce que c'est la fin. C'est le dernier jour. On s'en va. Et comme tout le monde est en train de ranger, bah je cherche une excuse pour pas aider. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est le dernier jour. On est en train de ranger. Y'a qui ici? Quelqu'un à cet étage? Oh là. Ben est en train de quitter sa chambre. Oh oui, ils sont là. Oh oui, ils sont là. Oui. Ça y est, c'est le départ là. Oh là là. C'est la fin, hein. Petite nostalgie, ouais. Petite nostalgie. Vas-y Ben, vas-y Ben. Oh là là, oh, c'est bien organisé. Allez. Vas-y, non, mais c'est hyper lourd là, c'est hyper lourd là, c'est toutes mes affaires. Ça y est, hein. Et on est en Vlogos là. C'est Vlogos là. Je considère que c'est le dernier jour. Allez. Pour moi, c'est la fin. Je peux le bouler ou non? Chambre de Ben. C'est propre ici, ça commence à être propre. Je fais semblant, ça c'est vraiment pile. Les gens qui ne veulent pas aider, qui font semblant. De tac tac tac, ok, ça c'est bon. Ça c'est un tac tac tac. C'est à moi. C'est à moi, celui-là. C'est à moi celui-là. C'est vraiment à moi. Et en fait, c'est à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Tac tac tac, c'est bon. Tac. Ça, tu vois, ça sent la fin de ces jours, ça. Ouais. Ça sent aussi, si on avait l'esprit un peu enfantin, on saute dessus comme des gros gosses. Mais bon, c'est pas le jeu. Mais comme je te dis, ça sent. C'est un peu fait mal quand même. Même pas. C'est ça qui est dommage. Agatou. Ouais. C'est quoi ta méthode pour pas aider? Je fais des montages. Bien joué, elle est forte. Y'a qui là-bas? On va aller voir l'aile. Oh là là. Bonjour à tous. Oh là là, ça sent la fin de ces jours. Bonjour à tous, ça sent les valises très lourdes. Hyper lourde, c'est valise que ça se voit. Est-ce que je peux voir si c'est lourd ou pas ou si t'exagères? Un peu quand même. Un peu quand même. En vrai. Attends, ça, il non, est... les deux. C'est presque un trompe-l'œil tellement il est léger. Mais non, arrête. Là? Ouais. Les deux en même temps, combinés? C'est lourd selon lui. Les deux combinés, je veux dire, tu sais, t'en prends un dans une main et l'autre dans l'autre et tu marches machin bon, avec. Allez, bon, allez. Je mets où le sac plastique? Ah bah, arrêtez. Allez, allez. Une salade de pommes de terre si vous avez faim. Tac. Ouais. Voilà, ça aide un peu. Regarde comment tu marches à travers le ballon, déjà. C'est parce que j'ai la cam qui est hyper lourde en fait. Ouais, bien sûr. Là-bas, ça a rangé à l'aile ouest? Dans l'aile ouest, je crois qu'il y a PA qui range des trucs, des écrans. Tu parles de Kenny Len? Attends, il y a moyen de gratter des trucs gratos ou pas? Oh. Non, parce que je vais juste faire une salade de pommes de. Tout le monde est chaud ou vous préférez manger. Non, mais pour chez soi. Petit saucisse, là, regarde. On peut discuter ça. Y'a des trucs simples, mais y'a plus grand chose hein. Est-ce que je peux te laisser la cam de vlog un peu? Vas-y. Bonjour. Je vais aller checker ce qu'ils font du côté de PA. Je crois que PA est avec Camille pour ranger des écrans. Je sais pas si c'est plus passionnant, mais je vous emmène dans l'aile ouest. La fameuse aile ouest qui nous a bercé pendant plusieurs jours ici. Vlogos, la teamas. Vous êtes là, la team? Ouais. Allez. Crois que ça range les écrans. Là. Alors, on emballe les écrans avec du papier bulle afin qu'ils ne se brisent pas dans les transports. Et bah ça c'est très bien vu, très non, bien mais tu l'as tout en car plus. Sinon ils vont se briser. Excusez-moi, la petite Nintendo Switch là-bas serait pas pour le... Ça le c'est quoi? Ça charge ça, c'est évidemment pour le, train, pour ça. Le trajet hein. Ouais, on va se mettre bien. Ouais, c'est tout un process papier bulle. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même très kiffant de péter du papier bulle comme ça? C'est incroyable. Ça va être une sensation si assez dingue. Là t'en as vraiment des centaines de milliers en plus là. Vous savez, j'ai un débat parce que ma valise était, j'estime, assez lourde. Pierre dit qu'elle était pas lourde. Et j'ai envie que des gens testent pour me dire. Est-ce que tu veux tester la mienne là qui est dans les escaliers? Vas-y, attends, allez où? C'est celle qui est. Pourquoi ta valise elle est pas assez. Mais si, je trouve qu'elle est lourde, mais là Pierre il a fait genre ouais, c'est pas lourd. Tu sentais qu'il galérait. T'es quoi? Ça c'est la mienne. Si j'en ai deux combinées. Je crois que j'ai la valise la plus petite de tous les gens de cette maison. Bah, c'est vrai qu'elle est sympa quoi. Mais toi t'en as deux aussi. J'ai une valise et deux sacs. Team de valise et deux sacs là. Elle est pas mal celle-là. Mais Pierre il a fait genre ouais, c'était pas lourd. Tu sentais qu'il galérait un peu. Évidemment. T'as besoin d'aide ou pas? Qu'est-ce qui se passe? On est hyper dans le nord là, on va pouvoir. Ouais, c'est vrai. Bah attends, on va revenir au soleil du jour. Hein. Tu vois, est-ce qu'on peut dire au revoir à notre aile ouest qui nous a quand même bien bercé? L'aile ouest qui nous a accueillis. Qu'est-ce qu'on retient de cette aile ouest? L'odeur. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait une scène avec Pierre. On sentait juste les matelas et tout. Et c'est vrai que. Ouais, c'est pas que ça pue, c'est que c'est une odeur un peu vieillot, mais c'est un délire quoi. Moi je trouve que ça pue. Ok, mais ça marche. Vous avez fait une soirée où vous reniez? Mais non, pas une soirée. Ça a que duré 2 heures, tranquille. Non. Ouais.
Attends, ouais, non mais on a reniflé un peu pour savoir où est-ce qu'on allait piquer les draps qui sentent le moins fort. Personne fait ça. Bah si, parce qu'il y en avait vraiment qui puaient et qu'on voulait vraiment pas avoir. En fait, l'aile ouest c'était un peu l'aile maudite bazar, c'est on a perdu nous que cette scène en jeu on déterminait les chambres. Ouais. L'aile ouest c'était un peu ceux qui perdaient. Ah bah et on a perdu. Voulait être ici hein, et puis finalement. Après au final en vrai c'était bonne ambiance. On avait la meilleure douche. C'est genre nous on finissait un peu tard les soirées, on met la musique quand on veut. Salle de bain elle est stylée. Salle de bain très stylée, etc. Ça restait quand même assez sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est une ambiance. Merci l'aile ouest. C'est vrai. Pour ça, cet accueil chaleureux. Ça c'est bien dit ça. Oui. T'as besoin d'aide? On va checker ce qui se passe là-bas non? Ouais, je veux bien que tu prennes ma valise. Bah non en fait. Non. Camille, t'as les deux mains libres si tu veux. Non, moi je prends ça. Ah, ça t'as besoin ici. Non, t'en as pas besoin. Très technique ça. On va voir ce qui se passe là-bas. C'est vrai que cette ambiance de départ est à la fois triste. Et à la fois un nouveau truc qui commence derrière, je sais pas. Un nouveau départ, je sais pas. Non, en fait, tu vas juste retourner dans ton appart. C'est vrai, je retourne dans un 20 mètres carrés. Pour moi, l'un des tout meilleurs tableaux électriques. Hein? T'as été plus beau, t'étais fiable, t'as jamais sauté. Tiens, regarde, on me voit les dents. C'est en vlog, hein. Je l'ai aimé ce tableau électrique. Tu l'as regardé une seule fois pendant tout le voyage. Ouais, on a déjà la photo ici maintenant. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qui se passe du côté Fred là? Là, je suis en train de faire du rangement et d'ailleurs, là, petit bilan de fin de séjour. Qu'est-ce qui n'a pas été consommé? Évidemment, de la ratatouille. Alors, ça, pourtant, on a bien mangé. Des lentilles, des pâtes, des légumes. Par contre, on arrive sur la fin sur le pot de Nutella. Voilà. C'est ça un peu là ce qui se passe dans cette baraque. J'ai pas mangé de Nutella de tout le voyage et là, j'avoue que ce matin, dernier jour, craquage, il n'y a plus rien. Je prends 3 bouts de pain. Il y a plus du cabi, faut dire aussi. En plus, regarde, tu sais, on s'est dit, allez, on va acheter un peu là des légumes. Non, mais regarde, là, il y a des pois chiches, il y a en du maïs. En conserve, là, il y a tout. Non, regarde. Et du coup, ça, on en bat, on en fait quoi du coup? Bah, on va les garder là, on va les ramener à la maison. Allez, ça ramène à la maison. Ça se consomme. Bien sûr, ça se consomme. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis un peu nostalgique, pas vous? Bah, non, mais de ouf. C'est ouf. Ça fait bizarre, hein, le retour à Paris là, comme ça. Ah ouais, je suis trop nostalgique. On était bien. Le Pays Basque. On oublie les carottes. Ah ouais. Tu vois, regarde, un aliment de plus qu'on a essayé de. On s'est dit, allez, on va manger un peu sain et non pas du tout. En plus, c'est Lucas et moi, c'est nous qui l'avons acheté. De quoi, les carottes? Ouais. Ah bon? Ouais, c'était pour l'apéro de l'année de mariage de Pierre et Ben. On s'est dit, pour tremper dans le houmous et tout. On a acheté des carottes pour ça. Mais alors, oui, je te promets, on s'est dit, on va les couper en tranches comme j'étais ça. Pas là, ça fait une alternative au pain et tout. Je devais pas être là ce jour-là où t'as fait ça. Mais on a fait ça ensemble. Ah bon? Bon, ouais, au final, on a mangé tout ça. Oh là là, c'est beau ce qu'il dessine par là-bas du côté Benjos. Petite salade de pommes de terre, un petit peu à l'arrache. C'est les salades de départ un peu de vacances. Tu mets un peu tous les restes. Tu mets un peu tout, c'est sympathique, c'est pas spécialement élégant, mais... Ça c'est l'avantage d'avoir un chef d'Erika dans la maison. Alors je viens de dire sympathique et pas spécialement élégant. Ouais. T'as... La transition alors... est parfaite, non? D'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu fais toi de beau? Bah écoute, moi je range. Je change les poubelles, je mets des trucs dans le truc de jardin dans le garage, voilà quoi. Un homme au foyer. Voilà. C'est énorme, ça va. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait Pierre au début du vlog? Il a fait un petit dernier tour de. Ah bah tiens, j'ai fait un tour de tous les objets qui m'ont manqué. Allez Pierre, tu sais quoi, je te rends la caméra de vlog. Ça tremble, je te laisse faire ton tour d'objets qui manquent. Bah, c'est de ranger notre truc aussi. Non mais attends, ce qu'il faut surtout qu'on fasse, c'est qu'on rejoigne toute l'équipe pour faire un petit bisou d'adieu à cette maison. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes deux? Ouais, je sais pas. Et par contre, il y a un truc qu'il faut que tu ranges, c'est ça. Parce que je sens qu'on va déplacer ça et que ça va se perdre. Ah! Ça, c'est très technique, ça. Très Camille élevé, ça ne veut pas l'enlever. Très Camille élevé. Je vais faire un truc de ouf, c'est que je vais mettre un bout de gaffeur et je vais le gaffer au piano. Ah ouais, c'est intelligent. Ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui va me manquer, moi? PA, tu vas me manquer quand on sera plus ici. Bah, pense qu'on va. Non, ce qui a vraiment manqué, je crois, c'est le cours de tennis. Le tennis, c'est vraiment plaisir. Oh, viens, on va le voir. Viens, on dit au revoir. Allez, on lui dit au revoir. Le tennis, il faisait plaisir. Hein. Mais en fait, on s'est un peu chauffé au début. On a beaucoup joué. La première semaine, j'ai l'impression, et cette semaine, un peu moins. Mais cette semaine, je pense, il y a des jours, on était beaucoup chargé en tournage, etc. Donc, on avait moins. On est d'accord que le trou de la taupe, il est de plus en plus gros. Ah, ça, c'est sûr. Regardez. Ça, elle va manquer d'ailleurs, la taupe. C'est plus une taupe. Et il est énorme. C'est une famille de taupes, carrément, ils ont tout ramené. Et non, autre truc qui va manquer, c'est le temps en fait. J'ai vu plein de commentaires de gens qui disaient, mais attendez, vous êtes où? Vous êtes en t-shirt, on est en t-shirt. Temporelle. Ouais. Et en fait, c'est vrai que niveau temps, niveau ambiance, c'est incroyable. C'est le Pays Basque, c'est une des premières fois c'est que c'est le sang en fait. Pays Basque, c'est le sang, totalement. C'est le sang. Ouais. Oh, c'est beau. Ça. Oh ah, ça c'est. À quelle occasion? Bah, on va les laisser parce qu'il n'y a plus de capuchon. Ah, je croyais que tu voulais faire un tennis, j'étais trop chaud. Ah, bah si, je suis trop déçu là.
que vous dire go tennis, mais vous pouvez laisser sur le terrain. Merci beaucoup, Guillaume. Oh là, elles vont me manquer, celles-là. Ah ouais, ça, celle-là, elle va me manquer, celle-là. On faisait un bilan de ce qui nous manquait, Guillaume. Ouais. Guillaume, qui te manquait le plus, toi? Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Alors, vous? Non. Que non. Ok. Qu'est-ce qui... Bah, la vue, moi. La vue qui est sympa. Ouais, la vue, genre. Imprenable. Clairement. Imprenable, cette vue. Oh. Imprenable. Non, cette vue. Il parlait de la vue là-bas, en fait. Ouais, ouais, le tennis, à fond. La vue. L'ambiance quoi, l'ambiance de on est tous ensemble tout le temps. Les tableaux électriques. Les tableaux électriques qu'ils ont. C'est sympa, ouais, ouais, sans plus, mais ça marche. Ils ont des beaux trucs quand même. Hein. Mais non, attends, on va les poser là pour les gens qui vont jouer. C'est vrai que l'ambiance c'était cool et le côté se confiner tous ensemble c'était trop bien. Parce que là je vais retourner solo dans un appart. La question c'est est-ce qu'on refera ça? Mais moi je suis hyper chaud, mais hors confinement machin, on fasse oui. Ça. Je sens que Lucas il va être tous les jours sur des sites de location de maison. Il va nous envoyer tous les jours des recommandations en disant regardez, moi, je veux qu'on reparte celle-là dans est pas chère, elle est dispo. Non, bah, je suis trop chaud. Où est-ce que vous voulez qu'on aille d'ailleurs? Si vous avez des idées d'endroits qui pourraient être cool, de trucs, si on faisait genre maison grise ou ski, ce serait pas trop stylé? Je crois qu'on a déjà parlé dans le vlog avec PA et Agathe. Et moi je disais que ski ça peut être stylé, mais peut-être un peu plus compliqué d'avoir des grands espaces où tourner, etc. Ah oui, non, c'est juste pour le kiff. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, okay. Ah oui, là, je toi, tu fais une vacance aussi gratos, quoi. Ah, totalement. Ok, d'accord. Et le piano aussi qui va nous manquer. Et qui a surtout manqué à Guigui, qui faisait souvent du piano un peu tous les jours. Ouais. Est-ce qu'on essaie de se faire un. Est-ce qu'on essaie de ramener tout le monde pour un horaire final? Vas-y, je suis chaud. Je vais le chercher si tu veux. Alors, un gâteau, elle est là déjà. Venez pour un petit au revoir, Vlogos. Une petite table avec tous les restes. Trop bien. C'est très sympathique. C'est pas ce qu'on fait depuis 15 jours. Ça ressemble à rien, hein, ouais. Mais c'est sympathique. C'est tomate gâteau basque, fromage à raclette pas fondu. Avec un qui est légèrement dégusté. On se fait un petit au revoir global quand même. Oh, ouais, c'est la fin du vlog là. Ça fait pas dire, adieu madame. On fait dehors dans la maison. Ah ouais. On ne vous oubliera jamais. Guigui, tu viens pour l'adieu final? C'est hyper triste. Ouais, c'est triste. Oh, c'est l'adieu final. Allez. L'adieu final. Je peux chacun mettre une poignée de terre. Ouais, c'est une petite fleur. On rentre des cailloux. C'est des moments qui. Voilà. Alors. Et toi, Fred, nostalgie? Bah, un petit peu, hein. C'est moi, je suis un sentimental, j'ai un côté plus romantique et le fait de partir là, ça me C'est à moi ça. J'ai laissé sécher un peu. Et la bâche, est-ce qu'on en parle de cette fameuse bâche? Ah, elle est où? Bah, elle est toujours pas rangée, je crois. Mais on va la ranger là. Promis, on la range maintenant là. C'est fou, hein. En vrai, elle est restée. Si t'es le premier jour, ton problème, c'est une bâche. Ça, mais. Arrangeable. Tu sais qu'on t'en veut, hein. Tout le monde en parle, hein, dans ton dos. Mais non. Il y a la bâche encore dehors. Attends, est-ce qu'on peut parler? Non, mais non. Est-ce qu'on peut parler aussi des canards de Camille de sa vidéo? Ils sont rangés. Ils sont rangés. Ta bâche, elle est pas rangée. Alors lui, c'est collabo. Dans les papiers. On peut parler aussi. Tiens, prends ça dans les condos. J'ai même démonté mon petit chariot de service là. T'es en train de te faire bâcher. Oh, bien drôle ça. Est-ce que je la range direct après? Mais mettez-vous avec la maison dans le dos, comme ça on se fait un petit. La serviette qui part, magnifique. Ouais, mais elle sèche parce que j'ai fait caca. Sur la serviette. J'ai comme l'impression qu'on a passé 3 semaines ensemble, nous, enfin jour et nuit, comme une sorte de colocation. C'est quasi personne. Ouais, le côté un peu, on rentre aujourd'hui, tu sais, ouais. Si tu voulais genre caricaturer. C'est le dernier jour. Pour caricaturer. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure quand même. Elle était folle pour nous. Quel soutien, c'était fou. C'est vrai ça. Tous les jours, les gens rendez-vous et tout, c'est trop bien. Le 18h12. Bien sûr. On essaye de se refaire ça bientôt. Ah ouais. Je sais pas où, je sais pas quand. Bah, dans 2 jours. On s'était donné rendez-vous dans 2-3 mois quoi. Ouais. C'est pour parodier la chanson. Référence. C'est pour parodier la chanson. 2-3 mois, c'est que là, actuellement, 2-3 mois pour Lucas, ça paraît très long. Pour lui, on repart dans 15 jours. Donc on essaye de se refaire ça dès qu'on peut, peut-être au printemps. On essaye de se faire ça. Surtout, la bonne nouvelle serait qu'on puisse faire ça hors confinement. Ah ouais. Qu'on puisse faire ça dans un endroit où on peut sortir. On puisse aller dans les bars. Hein? Calme-toi. Non, mais Paris, ça va, pourquoi non? Donc merci à tous d'avoir suivi cette série de vlogs. Merci à vous. Merci à toi. Merci à tout le monde. Oh, non. C'est un peu là. Oh, non. Oh, non. Non. Il est manqué. C'est un peu de nostalgie. J'ai envie d'inventer ce mot. Ouais, c'est bien. Pour un petit peu. Il existe, ok. Fin de vlogos. Ciao. Bisous d'amour et de bisous.